Je tenais à dire avant de commencer que c'est un vrai plaisir de revenir à des salles de taille humaine. Ça me rappelle un petit peu mes débuts. Ça, c'est jeune, ça. J'ai racheté un théâtre, à moi la liberté, plus besoin de se battre et de payer pour jouer. Y'a pas vraiment d'estrade, t'es proche de ton public, les rideaux sont jaunâtres, je fais de l'école authentique. Si t'aimes le théâtre, tu peux pas me louper, je suis dans tous les spectacles et je dors dans l'évier. Sous les projecteurs, mais aussi régisseur, le barman et l'ouvreur. Je sors 6 fois par an, et pendant chaque entr'acte, je fonce dans mon resto pour imprimer les tracts et servir les plachons. Je réponds au téléphone, ça cave le public quand je joue Antigone, car c'est anachronique et ça fout des longueurs. C'est marrant. J'ai monté Cyrano, en tout bien tout honneur, la version One Man Show. Moi j'aime pas les acteurs, mais je suis pas raciste, vu mon emploi du temps. Je fais tous les personnages, je raccourcis quand c'est chiant. J'ai écrit des passages, si tu veux pour demain. Il me reste quelques places, si tu venais ce serait bien. On s'appelle et tu passes acheter un théâtre. On a nos habitués. Pour l'instant, j'en ai 4. Mais faut bien commencer. Je le cache à mon psychiatre, car la planque est magique. Les rideaux sont jaunâtres, mais moins qu'à la clinique. J'ai racheté un théâtre. J'ai racheté un théâtre. J'ai racheté un théâtre. Bonjour la liberté. Thank you.